Allez, on se retrouve sur TV7 pour un nouveau point sur l'actu après ce décryptage spécial élection européenne. On va regarder tout de suite ce qu'il ne fallait pas louper de l'actualité de la journée dans la région. C'est dans votre ZAP Nouvelle-Aquitaine. Tous les planchers de la partie arrière, au-delà du milieu de l'immeuble, tout s'est écroulé en fait. Et comme sur l'arrière, il y avait plutôt 60% de la surface, 70%, en fait tout est sinistré. Alors, soit c'est brûlé, soit c'est sinistré par les fumées et l'inondation des lances des pompiers, de l'eau. Donc ça continue à couler, tout est sinistré en fait. Des souvenirs, mais surtout un pincement au cœur, à voir l'état de mon ancienne classe qui n'y est plus d'ailleurs, puisqu'elle a brûlé et elle a été démolie, mais à voir l'état des bâtiments aussi, où c'était une allée centrale qui était propre, agréable, et puis où on rencontrait tous les habitants les uns après les autres. Le Rassemblement national devant La République en marche, les Verts en troisième position. C'est le podium gagnant de ces élections européennes en France. Mais vous allez voir que ce n'est pas nécessairement vrai localement. Je vous propose de regarder en détail les résultats en Gironde et en Nouvelle-Aquitaine avec Dominique Parmentier. Contrairement à la tendance nationale, La République En Marche arrive en tête en Gironde, avec plus de 23% des voix, mais le Rassemblement National est à 2 points derrière. La Gironde apparaît plus que jamais coupée en deux. D'une part, celle de la métropole macroniste, avec Bordeaux et sa rive gauche, sa première couronne, de la Traîne à la Brède, d'Arvers à Saint-Émilion à l'est et le bassin d'Arcachon à l'ouest. La Gironde acquise à l'extrême droite, elle, correspond au fameux croissant de pauvreté, Médoc, Blayé, Nord-Gironde et Libournée, où le Rassemblement national se renforce même. Mais l'extrême droite gagne aussi le Sud-Gironde, l'Entre-deux-Mers, le Réolais, et c'est nouveau, la rive droite de la métropole. Ce nom, Lormont, Floirac notamment, traditionnellement acquise à la gauche, et dans la presqu'île d'Ambès. Dans la métropole, c'est à Saint-Vincent-de-Paul que l'extrême droite réalise son meilleur score. Les écologistes occupent la troisième place en Gironde, à plus de 6 points du Rassemblement national, mais avec un score légèrement plus élevé qu'au niveau national. Ils réalisent leurs meilleurs résultats dans les communes métropolitaines de la rive gauche, comme à Talence, Villeneuve-d'Ornon, Mérignac, Pessac et Bordeaux également. Mais toujours derrière La République En Marche, sauf à Bègle, où les Verts prennent la tête. Même dans les villes socialistes, La République En Marche l'emporte. À noter qu'en Gironde, contrairement au niveau national, le PS et ses alliés arrivent en quatrième position, suivi de la France Insoumise, devant les Républicains, qui réalisent des scores historiquement bas, même dans leur fief, y compris donc à Bordeaux. Et même dans la ville d'Arcachon, où les Républicains décrochent la deuxième place, La République En Marche dépasse les 35%.
Le Rassemblement national domine en Nouvelle-Aquitaine, mais pas dans tous les départements, puisque La République en marche s'impose dans 4 départements sur 12, en Gironde, Pyrénées-Atlantiques, Landes et Deux-Sèvres. Mais le parti de Marine Le Pen s'impose en Corrèze, Haute-Vienne, Vienne, Creuse, Dordogne et progresse même en Charente-Maritime et surtout dans le Lot-et-Garonne. 5 eurodéputés ont donc été élus dans la région. Seul Girondin, l'ex-républicain Jean-Paul Garot, qui a rallié le parti de Marine Le Pen en janvier dernier, Hélène Laporte du Lot-et-Garonne pour le Rassemblement national également, la paloise Laurence Faringue, proche de François Bayrou, élu sur la liste de La République En Marche, comme le poitevin Stéphane Séjourné, directeur de campagne d'En Marche pour ces élections. Et enfin un écologiste, l'agriculteur Benoît Biteau de Charente-Maritime, par ailleurs président du groupe radical de gauche de Nouvelle-Aquitaine. Voilà, dans le reste de l'actualité, le point sur l'incendie qui s'est déclenché samedi en fin de journée à Bordeaux. Un drame qui intervient, vous le savez, une semaine après le feu qui a ravagé le parking des Salinières dans le quartier Saint-Michel. Au total, 6 immeubles ont été totalement ou partiellement détruits par les flammes. Suite à l'évacuation des lieux, de nombreux riverains n'ont toujours pas à regagner leur logement et les démarches avec les assurances sont lancées. Reportage de Thomas Gonsalves et Jeanne Cancard. Ce lundi matin, de la fumée s'échappait encore d'un des immeubles. 2 jours après le début de l'incendie, les pompiers finissent de maîtriser les feux mourants. Toute la journée, les occupants des lieux viennent sur place et constatent, impuissants, l'étendue des dégâts. Ils sont énormes. Énormes. C'est, je pense, des mois, voire des années de reconstruction. Ma salle de gym, qui est sous 5 niveaux, eh bien aujourd'hui, il suffit que je lève la tête et j'aperçois le ciel. Au début, tu n'y crois pas vraiment, tu te dis que c'est pas si grave que ça, et avec toujours l'espoir que ça s'arrête vite. Et puis quand je suis arrivé par contre devant le périmètre de sécurité, là j'ai commencé à réaliser que c'était vraiment, vraiment sérieux. Au total, près de 2000 m² ont été détruits et 70 personnes n'ont plus accès à leur appartement. Face à l'ampleur du sinistre, les habitants du 14 de la rue Ferrer sont démunis. Mais peu à peu, les locataires des bâtiments voisins regagnent leur appartement. Et moi, j'étais venu sur place déjà ce matin, mais je suis venu à 8h30. À 8h30, on m'a dit qu'on ne pouvait pas encore intégrer les lieux. Il fallait que les ingénieurs fassent le tour et inspectent l'immeuble, vu que c'est celui à côté, au 14, qui était un des plus sinistrés, enfin, un des plus touchés. Voilà. De son côté, la mairie garantit la prise en charge des sinistrés sans logement, notamment grâce à ses structures. C'est le CCAS, le Centre communal d'action sociale, qui dispose d'un volant, d'une capacité, si vous voulez, de relogement qualifié d'urgence, ce qui est bien le cas, et qui, au fur et à mesure des demandes, y répond. Alors, autant vous dire qu'on a relogé des personnes du côté de la gare, on a relogé des personnes du côté de Florac. C'est en fonction, bien sûr, des capacités d'accueil que nous avons et dont nous disposons. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'incendie. Pour l'heure, la piste accidentelle est privilégiée. Une charte pour réglementer les usages des trottinettes, vélos et scooters en libre service. Il s'agit bien sûr d'éviter un développement anarchique de ce type de véhicule sur l'espace public. Tous les opérateurs, et ils sont au nombre de 9 dans la métropole, devront donc signer cette charte pour pouvoir déployer leur flotte sur les trottoirs dès la semaine prochaine. Toutes les explications avec Franck Poirot. Implanté sur Angers et Oxford, la société Pony pourrait être l'un des opérateurs à proposer un service de free-floating sur l'agglomération, à condition toutefois de signer la charte adoptée par la métropole pour l'utilisation de ces véhicules en libre-service. Chaque opérateur ne pourra pas proposer plus de 100 trottinettes, 600 vélos et 200 scooters dans son service, moyennant une redevance aux communes. Pony a l'intention d'arriver sur le marché bordelais, très porteur selon elle, avec une centaine de trottinettes et 150 vélos dans un premier temps, selon son fondateur. C'est clairement une expérience. Enfin, il faut être clair, l'objectif c'est vraiment d'avoir de la part modale, c'est vraiment d'avoir des pourcentages significatifs de gens à Bordeaux qui se déplacent avec ces nouveaux modes. Ça va pas être avec 100 vélos qu'on va faire changer la donne, d'accord ? Ou 100 trottinettes, pardon. Par contre, c'est vrai qu'il faut bien commencer quelque part et bon, bah, moi je pense que c'est un chiffre, il est ce qu'il est et il a vocation à évoluer. Et quand ils auront fait la preuve de leur efficacité, bah, ces quotas augmenteront et on n'en a aucun doute. Une expérience pour les opérateurs, mais aussi pour les communes et la métropole, elle consiste notamment à promouvoir d'autres types de mobilité douce et partagée. Et pour pallier au problème du stationnement sauvage de ces engins, la métropole a prévu sur la chaussée un certain nombre d'espaces qui leur seront dédiés. Il y en a 50 aujourd'hui, 200 courant juillet.
Cette charte de la métropole vise à organiser ces nouvelles pratiques de déplacement sur le territoire. Les opérateurs s'engagent à faire respecter les règles de sécurité et de bonne conduite à leurs utilisateurs. En attendant la promulgation de la loi mobilité qui encadrera ces pratiques, il revient au maire et son pouvoir de police de sanctionner ceux qui ne respecteront pas ces règles, notamment en cas de stationnement inapproprié. On le fera à l'opérateur dans un premier temps parce qu'on pense que l'opérateur a les moyens, par exemple, de géolocalisation de chacun de ces objets. Et donc, il a des moyens de dissuasion très forts vis-à-vis des usagers et de pédagogie, d'ailleurs, hein, qui permettent à chacun d'avoir conscience que l'utilisation en question ne doit pas se faire de façon anarchique. 9 opérateurs de free-floating sont actuellement en lice pour exploiter ce nouveau service. Cette charte fixe le cadre d'une expérience, voire d'une expérimentation sur l'agglomération de ce service et de son impact sur les déplacements des usagers. Un bilan sera fait à la fin de l'été. Des modifications, le cas échéant, pourraient alors intervenir dans cette charte et l'utilisation de ce nouveau service en fonction des retours d'expérience. Voilà pour l'actualité, puis on va bien sûr parler rugby avec l'UBB qui termine sa saison sur une grosse défaite à La Rochelle. On parle de l'actualité rugby dans un instant dans Top Rugby avec Mathieu Dalzovo.